Bonjour, bonjour les amis, on a le soleil du printemps. Enfin, il est là le soleil du printemps. Le jeune homme, pour... C'est des cartons de bananes. Voilà, des cartons, oh bah oui. La semaine dernière, tu buvais un petit blanc pétillant. Un petit blanc pétillant, un rosé pétillant. Voilà, même, ouais. Et moi j'attendais un café. Et un café à cette heure-ci, mais il faut plus boire de café à cette heure, c'est l'apéro là déjà. Oui, mais moi j'ai un peu de décalage, c'est les horaires d'hiver et d'été. Bon, samedi, ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé aujourd'hui, ça s'est encore très bien passé. Alors, voilà. Bon. On est content. Voilà, il y a même de la choucroute alsacienne là-bas. Oui. C'est joli chez vous, bonjour. Alors, vous allez sur la page Autour du Lac. Oui. Sur Facebook, Instagram, YouTube, le site autourdulacdurger.fr pour voir cette nouvelle chronique Moments partagés au marché. Avec plaisir. Alors, votre prénom? Déborah. Il y a un moment où vous êtes là, Déborah? 2 ans. Ah non, je croyais plus. Mais vous êtes jeune. Bah avant, c'était ma mère, elle était là, le monde à côté. Voilà. Donc, ça fait une vingtaine d'années que je suis là. On n'abandonne pas une place comme ça. Hein. Non. Donc, vous avez tout le stand de fruits et légumes là, du marché. Là, de là, ouais. Ça s'est bien passé, ce marché? Oui, nickel. Bien travaillé. Vous êtes frais, hein, le fond de l'air est frais. Hein. Un peu frais, mais il y a le soleil, c'est... Gardez votre sourire, hein, parce que vous savez qu'il paraît que pour être commerçant, vous avez les yeux dans le soleil. Pour être commerçant, il faut avoir le sourire. Ah bah c'est sûr. Merci Déborah, bon week-end. Y a qui là-bas? C'est votre famille aussi? C'est ma maman. Ah, c'est la maman, mais vous ressemblez. Avec mes cheveux longs, c'est ma maman. On se connaît. Alors, la maman, elle vous ressemble. Et derrière, c'est Renata, elle travaille avec nous. Renata, c'est la belle-mère italienne. De mon frère. C'est aussi la famille, c'est la belle-mère à mon frère. On est en famille, nous. Bah, il faut être. Et là, ça, c'est polonais au milieu. Ah, polonais. Bonjour, ça va? Bonjour. J'ai commencé par la jeune génération. Voilà, et on finit par les vieux. Non, c'est pas les vieux, mais. C'est incroyable, c'est la copie, hein. Ouais. Hein? C'est la copie. C'est hein, bien ça. Réussi. Ouais, pas mal. Il y a combien d'années que vous êtes là au marché? Moi, depuis 2003, ici. Vous pouvez me donner une petite recette sympa à faire avec vos haricots, là, ou vos asperges? Parce qu'au marché, ils ont des petites astuces. Le poissonnier m'a donné, Romuald, des astuces. Qu'est-ce que ça? C'est les haricots plats, comme on appelle ça? C'est haricots plats, c'est extra. Il faut les faire revenir avec de l'eau, au départ avec un peu d'eau, on les fait blanchir. Et après, avec de l'ail, de l'oignon, des petites tomates, on les coupe et on fait revenir. C'est juste extra, c'est hyper fin. Dans la poêle? Dans la poêle. C'est hyper diététique, même pas de beurre, d'huile d'olive, rien. Un filet d'huile d'olive. Ah, un filet d'huile d'olive. Avec de l'ail. Pardon? Clémenta, c'est vous? Clémenta, Renata. Non, il y a Renata qui est là-bas. Renata, merci, là. Ben, pour la petite... Je vais être empiétée. Voilà. Les haricots coco. Ouais, c'est ça? Le haricot coco. C'est hyper sympa. Merci à vous. Mais de rien. Hein, gardez votre sourire, c'est ce que je dis à votre fille. Voilà, il y a des petites tomates. Moment partagé au marché. Renata, bon week-end. Bon, bah ça remballe, j'arrive un peu tard, moi. Bonjour, messieurs, dames, ça remballe, il n'y a plus rien. Mais il n'y a que des dames, là. On est où? Boucherie, charcuterie, triperie. Ah, il y a un homme, quand même. Joël Monin. Elle est où, Joël? Elle est là, Joël? Ah là là, c'est la patronne? Ça va? Bah oui. Eh, vous savez que des bons cuisiniers et autres, on remballe tout le temps, on nettoie tout le temps. Hein. Comment ça s'est passé ce samedi? Très bien. C'est vrai? Qu'est-ce qui se vend le mieux en ce moment dans votre en viande? Tout. Nous, c'est particulier. Nous, on a les pieds paquets, les pieds de saumon. Les pieds paquets, les frites. D'accord, je vous entends mal, donc j'ai bien peur qu'on vous entende mal. Ah bah oui. Non, mais dites-moi, je sais pas, la viande qui est bien partie ce matin et... Tout, on a tout vendu. Une petite recette à nous donner pour en ce moment, pour l'instant? Moi, je vais vous donner la recette des pieds paquets. Ouais. Hein, vin blanc, tomates, bouquet garni. Génial. Et après, qui sont 6 heures minimum. Et, au four? Bah, on peut les, alors, au four toute la nuit, tout doucement. Autrement, on peut les faire en cocotte en fond, c'est génial. Et à la fin, une pointe d'harissa. D'accord. Voilà. Donc, recette de Joël Monin. Voilà. Combien d'années de marché avec ce vin? Oui, voilà, vous le dites pas, ça se demande pas. Et là, c'est toute la famille? Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais je suis sa fille aînée. Elle se fout de le moi ou pas? Dernier. Elle se fout de moi? Elle se pourrait être. Ah, tout est possible. Vous pourriez être la sœur. Voilà. Hein? Merci de votre gentillesse et de votre sympathie. La femme aux lunettes, là. Elle me fait penser à... Comment s'appelle la chanteuse qui chantait dans les années 70, qui avait des petites lunettes rondes?
ça va me revenir hein, dans la prochaine chronique. Donc retrouvez-nous sur la page Autour du Lac sur Facebook, Instagram. Moment partagé au marché. Donc vous, vous êtes qui alors? Moi, Jérôme. Moi, je suis animateur, vous ne me connaissez pas. Oh, bah, dis donc, c'est dramatique, hein. Tout le monde ne regarde pas Facebook. Ah. Comment? Tout le monde ne regarde pas Facebook. Ah, mais il n'y a pas Facebook, hein, parce que avant le Covid. Moi, je vous connais. Avant le Covid, j'animais ailleurs quand même. Oui, oui, je sais. Mais il faut bien rebondir. Tous les samedis, on va venir au marché d'Aix-les-Bains et autour du lac. C'est bien? Et je peux vous dire que ce passé samedi dernier, la dernière, il y a eu beaucoup de monde déjà. Merci les amis. Je cherche le nom de la chanteuse. Ah, hey, si vous trouvez, mettez-le moi en commentaire. À bientôt. Hein? Merci pour ce moment partagé au marché.